Excellences, chers membres du corps diplomatique, Monsieur le Ministre, Madame la Maire, Madame la Directrice de l'École des Sables, chers amis, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, tout protocole respecté. Dalle Nagjam, bienvenue à la délégation Wallonie-Bruxelles, la délégation générale Wallonie-Bruxelles. Mesdames, Messieurs, le programme d'hommage à M. Oumar Ndaw, qui nous a quittés il y a 10 ans, se poursuit avec le vernissage d'une exposition intitulée « Le vent d'Oumar ». Vous avez, pour certaines et certains d'entre vous, pu découvrir ce lundi la fresque qui lui est dédiée à la place du souvenir africain, hier. Chez nos amis et partenaires du Centre culturel Blaise Senghor, se sont succédés une prière, des témoignages, performances, une table ronde et un spectacle fusion. Ce programme d'hommage, intitulé « Regard sur les initiatives plurielles d'Oumar Ndaw » se poursuivra jusqu'au 5 juillet. Et nous vous invitons à en découvrir le menu sur tous les réseaux sociaux, dont le nôtre. Mesdames, Messieurs, la délégation générale Wallonie-Bruxelles a bien des raisons de s'associer à cet hommage. Tout d'abord, la collaboration de M. Ndaw avec l'Université de Liège. M. le ministre, secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, est revenu sur ce point, d'ailleurs, lors de la cérémonie de lancement de ce vaste programme de commémoration il y a à peine 2 jours. Ensuite, le projet théâtral Nangadef, qui s'est déroulé en Belgique. Alors, il y a un comédien, M. Sadibou Manga, qui s'en souvient très bien. Et M. Oumar Ndaw, m'avait-il dit, il les avait incités à remplir les formulaires de demande de visa, il les avait aidés pour la création de la pièce, il avait même négocié 20 dates pour la tournée, et bien plus encore. Il était vraiment sur tous les fronts. Toujours à propos de ce projet, M. Oumar Ndaw a eu à travailler avec Abbas Diao, qui est un ancien collègue, aussi à la délégation générale Wallonie-Bruxelles, qui nous a tragiquement quittés, lui, en 2022. Le jour même où le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique, c'était le 6 février pour être précis. Les collègues de la délégation, je me rappelle, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, parce que moi je n'y étais pas, étaient partagés entre célébrer la victoire du Sénégal et pleurer M. Abbas Diao, un grand monsieur qui a servi la délégation générale et les opérateurs, qui d'ailleurs ne cessent de lui témoigner leur gratitude. Alors, ironie du sort, M. Oumar Ndaw, qui ne manquait pas d'humour, comme vous le savez, aimait taquiner l'équipe nationale de football, où tout le monde est expert, alors que rien n'ait été gagné. Ah, là, je dois bien dire qu'aujourd'hui, en 2024, la situation a un peu évolué, car le Sénégal a désormais une étoile. Alors, en avançant un peu, le 27 mars 2022, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du théâtre, la délégation générale a accompagné le Djemal Oumar au Centre culturel Blaise Senghor, avec mon prédécesseur, M. Pascal Montoisy. À la même période, il y avait d'ailleurs la première édition du festival Bulle Dakar, la bande dessinée, dont la délégation et l'ambassade de Belgique avaient été les partenaires exclusifs. Et dans le cadre de ce partenariat, il y a le dessinateur Odia a fait un portrait d'Oumar qui a servi à l'affiche du Djemal, et ce portrait dans l'exposition que vous venez de parcourir. Alors l'histoire continue, Madame Mélanie Sadio-Boudiabi a remplacé notre collègue M. Abbas Diao dans ses fonctions à la délégation générale. Et il se fait, l'histoire continue, vous voyez qu'elle a également connu Oumar Ndaw. Mélanie, qui fait partie du comité d'organisation d'hommage à Oumar Ndaw, est également commissaire de cette exposition. J'ai vu son travail acharné de récolte des photos, des témoignages, vidéos notamment. Une telle dévotion se mesure selon moi à l'aune de l'admiration que beaucoup, et notamment vous, qui êtes présents ce soir, continuez à porter à M. Ndaw. Vous aurez remarqué au passage que Oumar, c'est l'anagramme d'amour. Et donc, il y a des sentiments forts, je pense, qui continuent à lier feu M. Oumar Ndaw à un nombre de personnes qui savent ce qu'elles lui doivent. Mesdames, Messieurs, merci d'applaudir Mélanie, et avec elle tout le comité d'organisation qui sont dévoués sans compter pour cet hommage. Et la suite de l'histoire, me direz-vous, bientôt. Eh bien, c'est lorsque nous préparions l'exposition autour de la colombophilie, dont quelques œuvres ornent encore nos murs, là vous voyez, ces fresques avec des pigeons, alors que nous recevions M. Marc Tardio, directeur de la culture et du tourisme de la ville de Dakar, qui est précisément justement le dernier poste que M. Ndaw a occupé avant d'être remplacé après sa disparition.
Nous recevions également trois de ses collaborateurs, Madame Jennifer Outrouge de Célébéionne, l'artiste belge Younes Baba Ali, qui est le papa de l'exposition Colombophilie, et Madame Vidya Tambi, que j'ai vue tout à l'heure, que je ne sais par quel miracle, le nom d'Uma Andao s'est invité aux échanges. Mais le hasard n'existe pas, comme vous le savez. C'est Dieu qui voyage incognito. Et le lendemain, je me suis empressé d'aller acheter Dakar l'Ineffable et j'avais découvert M. Uma Andao. Le prédécesseur de mon prédécesseur, M. Yann Galt, qui est aussi délégué général Wallonie-Bruxelles, avait eu la présidence du pôle unique et parmi les projets retenus pour soutenir la création artistique en temps de Covid, eh bien, on retrouvait conversation avec Uma Andao. Vous voyez, l'histoire continue. Le livre, quelques planches, des audios, un documentaire sont également repris dans l'exposition. La présence de ces différentes œuvres est, je cite Mélanie, la restitution que j'avais souhaitée pour les 8 projets de l'Eludi Jawaldar, et ça se passe à la délégation. 3 points d'exclamation. Aujourd'hui, je me réjouis, mesdames et messieurs, d'être le 3e délégué général Wallonie-Bruxelles à contribuer à l'hommage à ce grand monsieur. Pour cette édition, 10 ans après sa disparition, nous avons proposé cette exposition. Et nous suivons avec intérêt ce que le comité d'organisation a appelé « Résonance artistique » et en hommage à Uma Andao avec pour thème « Migration et patrimoine ». Ce programme est la somme de propositions artistiques d'opérateurs que nous avons décidé d'accompagner cette année. Et à chacun de nos échanges, je l'ai dit à plusieurs d'entre vous, il s'est toujours trouvé des gens qui ont bien connu M. Uma Andao et qui témoignent d'une façon ou d'une autre de la façon dont il a impacté leur carrière artistique. Alors, je vous donne déjà rendez-vous théâtral donc le 25 et le 28 juin prochain au Centre culturel de l'Est-Sangor. Et le 29, on vous donne rendez-vous ici même à la délégation avec une certaine École des Sables de Mme Germaine Acconi qui nous fait l'honneur donc de venir célébrer également ici, rendre hommage à M. Uma Andao. Ce sera sa troupe en tout cas. Et donc, je dois signaler que Mme Acconi avait célébré Uma lors du premier hommage qui lui avait été rendu à l'Institut français. Et là, de nouveau, il y a une vidéo qui est disponible dans le parcours de cette exposition. Mais, comme dirait l'autre, ceci est une autre histoire. Alors, j'ai sans doute trop parlé. Place maintenant aux échanges de souvenirs autour de l'œuvre et de la personnalité attachante de M. Uma Andao. Bienvenue encore une fois à la délégation générale Wallonie-Bruxelles. Bon début de soirée en compagnie du groupe Baobab, qui nous a fait l'honneur de mettre des notes de musique dans la partition de cet hommage. Jeff. Merci beaucoup, monsieur le délégué. Et sans plus tarder, voilà, vous avez la suite du programme pour les jours à venir et voilà, le mois prochain. Donc, nous allons maintenant inviter le comité d'organisation à venir ici. Donc, ce comité-là est dirigé par le professeur Ibrahim Awan, professeur Moussa, Manga, tout le monde, Mélanie, Kader, venez tous. Donc, le comité Gassira. Voilà, ce que je ne vois pas, excusez-moi, mais voilà, tout le comité d'organisation de l'hommage 2024. Nous allons les inviter vraiment. Voilà, Vidya, tout ce que je ne vois pas, donc tout le comité, Salengari, tous ceux qui ont... Ndeimane. Voilà, Ndeimane. Voilà, venez, venez, venez tous. Et... Philippe, Yacinthe. Philippe, Yacinthe, voilà. Ndeimane. Voilà, venez. Et nous allons donner la parole à monsieur, au professeur Ibrahim Awan, qui est le président de ce comité-là. Merci. Bonsoir à tout le monde. Monsieur, son Excellence, monsieur l'ambassadeur de la Tunisie au Sénégal, monsieur le délégué général, vous me permettrez de citer seulement ces deux personnalités-là parce qu'il y a un concentré de personnalités quand même impressionnant dans cette salle. Mais je peux me le permettre puisque la plupart des personnes qui sont ici, pour ne pas dire toutes les personnalités qui sont ici, le sont par amitié d'abord, mais pas par fonction institutionnelle. Et je dois surtout remercier Omar de nous avoir rassemblés à nouveau, après l'avoir fait pendant plus de 30 ans. Nous avons tous convenu que c'était un passeur, que c'était un pont, que c'était un fédérateur. Et dans cette exposition, il y a un manuscrit inédit d'Oumar, qui est quelque part dans la salle. Dans ce texte, il y a un bout de phrase clé. Il dit ceci, je cite, « L'amitié est une promesse d'éternité. Quand la sincérité lui apprend tous les jours à marcher et à se reposer au milieu des hommes qui marchent. »
Félicitations. Je pense que cela résume le sens de notre rassemblement. Cela résume la signification de l'exposition. Et cela résume notre présence ici, qui est une sorte de fidélité au pacte d'amitié, à la mémoire de Marnaud et à tout ce qu'il a entrepris. C'est également l'occasion de remercier M. le délégué général de nous avoir permis de montrer Omar, de le montrer à nous-mêmes, à nouveau dans ses différentes facettes. Puisque quand nous avons parlé de ce projet il y a 4-5 mois, il a, dans un coin de cette salle d'exposition, il a sans réserve exprimé son engagement et nous avons fait exactement ce que nous avions dit. C'est également l'occasion de remercier Mélanie qui s'est engagée à donner corps à toutes les idées qui ont été exprimées, à toutes les intentions, donc en nous secouant quand il le fallait. Et je pense que nous sommes tous fiers des résultats. Je dois également remercier tout le comité d'organisation qui a travaillé dans l'esprit d'Oumar, c'est-à-dire en alliant l'humour et la rigueur, ce qui est fondamental. Remercier également le Baobab, puisque on l'a dit, Oumar, c'est toutes les expressions artistiques. Et un des textes qui est ici dans l'exposition est intitulé « Voir le rythme ». C'est le texte qu'il avait écrit pour l'exposition de Matar Nour, ici présent, le grand photographe que nous connaissons. Donc, et cette célébration s'est voulue dans tous ces moments, une sorte de carrefour où des personnalités d'horizons divers se rencontrent, des expressions artistiques différentes se croisent. On a eu une belle illustration hier à Blessingor avec le spectacle. Des gens venus d'horizons culturels et géographiques différents également entrent en connexion. C'est cela, Omar, et nous avons un peu voulu restituer cet esprit, cet univers à travers ces trois premiers jours qui vont, comme l'a dit M. le délégué, se poursuivre. Puisqu'Omar, tout le monde l'a constaté, nous en parlons toujours au présent et au futur. Donc merci à tous, le chemin continue. Merci.